commencé quand j'ai vu l'émission Aïtoculture, présentée par Karl Régurand, il présentait l'artiste Sat. Et le lendemain, quand j'ai vu cette émission, le lendemain, j'ai pris ma première bombe et j'ai essayé dans la rue. J'ai vu que c'était un art assez libre et assez cool, quoi. Et c'était vraiment que les gens qui s'intéressent au graffiti qui peuvent comprendre ce mouvement. Et je voulais toucher un public un peu plus large, donc j'ai essayé des nouvelles techniques comme la sculpture, les installations et utiliser la résine, d'autres choses que juste la bombe. Your heart is like a dough. Le mur, je l'ai vu mardi matin, donc j'étais assez étonné parce que c'était le plus grand. Je savais pas quoi dessiner, je savais pas quoi peindre. Et... En fait, il y a un copain qui est passé, il m'a dit fais ce que tu fais d'habitude, peins des sculptures. En fait, c'est inspiré d'une sculpture que j'ai faite il y a un an. Et bon, je pense que tu as vu, c'était la moitié d'un tiki et l'autre moitié d'un squelette. Je veux justement faire passer. Enfin, que les gens se posent la question, en fait, peut-être d'où viennent les tikis, sans vraiment imposer mon idée. Quand on regarde l'œuvre, ça ressemble à quelque chose comme, je sais pas, un ovni, un alien, ou je sais pas. Inspiré beaucoup des films de science-fiction comme E.T. ou Mars Attack. Je pense pas que c'est provocateur, mais je réalise les idées que j'ai en tête. Les gens ici, ils sont un peu prisonniers d'une esthétique, un peu le cliché polynésien et tout. Et là, les gens qui vont venir, enfin les étrangers qui vont venir, font carrément autre chose. Votez pour votre graffeur tahitien préféré sur le site web de Polynésie Première et retrouvez-le lors des battles du concours Ono'u les 10 et 11 mai, place Toata.